Le premier couple à nous faire découvrir ce Grand Prix, vous avez de la chance de l'avoir parmi vous cet après-midi ici à HEC. C'est l'un des membres de l'équipe de France. Il va nous faire découvrir ce parcours avec Silène Belmanière. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux origines, c'est un fils de Narcos 2. C'est le numéro 1. C'est jamais facile de partir en numéro 1. Merci d'accueillir et d'encourager Jérôme Hurel. Alors, information importante, c'est le temps accordé, 86 secondes. 86 secondes pour le moment. Temps accordé, 375 mètres par minute dans ce Grand Prix Pro. Voilà, juste un petit appel avant de commenter le parcours. Un petit Jack Russell avec le dos tout noir aurait été perdu. Merci de le ramener si vous le trouvez ou si vous le voyez un peu errant à la tribune de jury. Ça fera bien sûr fort plaisir à son propriétaire. Petit Jack Russell avec le dos tout noir. Allez, le vertical HEC, les barres blanches pour débuter, on l'a vu tout à l'heure. Puis la ligne 2-3 de Auxerre. Le double vertico à une foulée, aux couleurs RB France. La ligne 4-5, Auxerre, près du panneau du Jump HEC, 44e édition. Le vertical, l'étoile de Jouy, les barres blanches. Puis on va accueillir déjà la deuxième combinaison. La ligne, entrée verticale, une foulée Auxerre cette fois. Vertical 7 sur bidé, virage plus ou moins serré pour pas perdre de temps. 86 secondes accordées. L'Auxerre 8, 9. Les couleurs du Conseil Général des Yvelines, vertical et 3. Puis la troisième et dernière combinaison, le double Airbus Group entre Auxerre, une foulée verticale pour le cavalier de l'équipe de France et la ligne finale. Pas le temps de souffler, 11, 12, 13, 12 le vertical de la CCI Paris-Île-de-France, chambre d'industrie, et l'arrivée, bien voilà, ça mérite vos applaudissements, pas de soucis.